Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube, Jean-Marc Espel, coach Chiré Golf. Aujourd'hui, je voulais vous sensibiliser au wedging. On va faire une petite vidéo juste pour donner quelques principes de wedging, parce que c'est difficile, quand on fait un voire deux très bons coups, on a 90 mètres ou 100 mètres, et là, on est en panique, on ne sait pas quoi faire, c'est dommage. De bien driver sur un par 5, mettre un coup d'hybride ou un coup de fer 5 ou fer 6 magnifique, de se mettre à 100 mètres et de se mettre après dans le bunker ou à 10 mètres du drapeau, c'est dommage. Sur un par 4, c'est pareil. Sur les petits par 4, de temps en temps, vous mettez un bon drive, vous vous retrouvez 100, 110 mètres. Donc il faut trouver de la précision, du contrôle, on appelle ça du contrôle. Donc aujourd'hui, voilà, on va voir un petit peu le principe de amener les bras allongés en direction de la cible. Ça va vous permettre de bien tourner et d'avoir cette sensation d'allonger les bras en direction de la cible. Comment on va faire? Regardez, l'objectif c'est je tourne et je vais allonger les bras en direction de la cible. Vous allez vous créer un coup par club de 70 à 120 mètres par exemple en essayant cette technique, et vous allez voir, c'est la technique de Zach Johnson et il est très précis dans les zones de 120, de 20 à 120 mètres. C'est une machine, le gars. Il utilise cette technique là que j'ai essayé moi-même. Alors j'ai eu un peu de mal au début, je vous avoue, mais maintenant que je commence à la maîtriser un petit peu mieux, on arrive à avoir vraiment un contrôle de profondeur, ce qui est important sur le wedging. Alors, comment on va s'y prendre? On va essayer de faire un backswing normal et ensuite on va engager le bas du corps comme d'habitude et avec une allonge de bras sans release. On va pas avoir le release, ce qui souvent, ce release là amène des joueurs qui font du par-dessus ou des joueurs qui restent derrière qui ensuite referment la tête de club. Ça c'est hyper difficile, hein. Pour avoir du contrôle, il faut essayer de bouger le moins possible cette phase de club. Si on est là, la phase de club elle arrive square une fois sur 15. L'objectif c'est vraiment d'avoir un contrôle dans cette phase de club en essayant de ne pas trop la manipuler dans l'espace. Je vous fais une petite démo. Voilà. Pour voir un petit peu le principe. Tac, tac, tac. Et on reste là. Du coup, ça amène une ligne d'épaule qui reste beaucoup plus longtemps en direction de l'objectif. Parce que la ligne d'épaule, regardez, la ligne d'épaule, si elle reste là, la balle va partir à droite. Si elle reste, elle revient trop tôt, la balle va partir à gauche. C'est les épaules qui déterminent beaucoup la direction initiale de la balle. Épaule, chemin de club. Donc, si vous avez cette sensation de tourner et d'envoyer la face de club basse avec des mains légèrement fermées, vous allez voir que le contact va être très bon et vous allez avoir un contrôle profondeur-direction qui va être exceptionnel. Voilà, je me place. Vous voyez, j'essaie surtout pas de finir. On voit beaucoup les très bons joueurs qui, dans des zones un petit peu compliquées, on peut rajouter un petit club. On rajoute un petit club et on essaie de faire backswing tout à fait normal. Et je tiens. Essayez cette technique, vous allez voir qu'elle est fabuleuse en termes de contrôle et de direction. Vous voyez ma tête qui remonte encore un petit peu trop tôt. Voilà. Voilà, très bien. Elle est encore un petit peu trop haute. Il faudrait que je la garde beaucoup plus basse ici.
les mains devant toujours, hein, cette sensation d'avoir le poignet un petit peu bombé à l'impact toujours. Voilà, très bien. Et là, je peux vous garantir que la balle, quand elle tombe, elle fait un rebond, un petit long rebond, et elle s'arrête très rapidement. Donc, dans le principe, c'est compact ici, allongé ici, avec toujours de la rotation. Et le principe qu'on a vu dans les vidéos précédentes, je tourne les mains en direction du sol et je vais amener mon club en direction de la ligne pour garder ma ligne d'épaule beaucoup plus dans l'axe ici. Je vois beaucoup de joueurs, on parle de la tête, c'est souvent pas la tête, hein, c'est juste que on a du mal à garder les épaules en direction de la cible et dans la ligne de jeu. Ici, au lieu d'être, beaucoup de joueurs me font ça. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Bye bye.